Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 8ème épisode de Stranded Kid sur Game Boy Color. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, hein, et ça fait longtemps que j'ai pas tourné, j'avais pas eu trop le temps, hein, comme j'avais dit dans le HS que j'avais vu sur Fairy Tail. Voilà, j'ai pas eu trop le temps, mais c'est avec plaisir qu'on va re-attaquer cette aventure qui vous plaît et qui me plaît, hein, toujours. Je suis encore en totale découverte de ce jeu, je sais pas ce qu'on va faire. Donc la dernière fois on avait découvert voilà cet endroit, cette nouvelle île. Enfin plutôt vous allez voir, on n'a pas tant bougé que ça, vous allez mieux comprendre. Et du coup on a une arche à faire déplacer, on va regarder Kiki s'il veut bien. C'est un Kiki. Je me demande si j'avais dormi, je sais pas. Je ne peux plus utiliser, ok. Donc là voilà, on a trouvé une arche et il va falloir trouver des gemmes pour tout simplement... arriver à la bouger quoi et pouvoir se bouger. Donc machin très souple, torche, j'ai pas grand chose. Alors vie, machin, fin, machin, ouais c'est de la vie que j'ai plus trop, faut que je fasse gaffe. Je peux utiliser oui, objet, non, bon j'ai pas grand chose. On va partir à la découverte de l'île, c'est parti. Ouais, enfin découverte, on va continuer à fouiller pour trouver des trucs. Ça a l'air d'être le matin, on va s'être la boue. Je suis fatigué, ok, il a pas dormi. C'est bien ce que je me disais, ça faisait tellement longtemps que je ne me souvenais même plus ce que j'ai fait. Et vu que j'ai rien fait en off, hein, bon, comme souvent dans le jeu, je crois que c'est rare que je fais des trucs en off. Ouais, c'est jamais bien arrivé. Oui, c'est plutôt par là. Qu'est-ce que je raconte? Allez, je suis perdu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, les gens. Ça fait du bien de retrouver ce petit jeu, hein, toujours sympathique. Allez hop, on va se coucher. D'abord, on dormait quelque part. Oh, bah, attendez, attends, t'as un beau bateau là, comparé à la vieille cabane toute pourrie qu'on avait avant. Pas toute pourrie, elle était sympa. On l'a rafistolée comme on pouvait. Il me faut le reste des joyaux. Bah oui, ça c'est sûr. Bon. Donc, on va continuer à avancer. Et essayer de se refaire un stuff, comme on dit dans le jargon. Voilà, on est sur l'île, on s'en fout. Enfin, sur la plage, on s'en fout. Il va falloir descendre. Ah oui, là, il n'y a rien, faut que je descende de l'autre côté. Oh là là! Comment je suis perdu? Je vais boire de l'eau, tiens. Que glou glou. Glou glou, que ma soif est étanchée. Alors, oh là, ça fait longtemps. Je suis complètement perdu. Complètement à la ramasse, le mec. Voilà, on prend un stick, on sait jamais. Ça, je sais plus ce que c'est, déjà. Une statue de pierre? Wow, incroyable! Une dalle de pierre! Mais ça parlait d'hippopète. Alors. Ah, un grand bâton, ça y est, ça va nous être utile. Je vais demander qu'elle... Ouais, on va abandonner un truc. La fin disparaît. Ah, ma viande a déjà pourri. Super, super. Depuis le temps. Ça me paraît logique. Ok. Oh, de la bouffe. On peut abandonner autre chose, ouais, on va abandonner, on va bouffer un truc. On peut servir d'épices, très souple. Plume d'oiseau, tigre, bâton, machin. Bon, on va virer le bâton pour l'instant, on sait en retrouver. Je crois que je vais se cuire quelque part, mais il pleut, ça fait chier. Donc, hop. Mais bon, on va essayer d'avancer un petit peu dans ce bazar. On avait vite fait le tour, mais... En fait, on a vu, je me rappelle qu'à un endroit, il y avait un gros rocher, on va essayer de le bouger. On verra le lapin. De toute façon, en fait, je m'inquiète plus trop parce que je sais que la bouffe, j'en trouverai toujours. C'est pas un souci. Ça. Je crois que c'était en bas qu'il y avait un caillou à bouger. Et maintenant qu'on a retrouvé un gros bâton, hop, on le prend. Je sais pas, je sens que ça peut nous servir. J'aime bien la musique, c'est calme. En fait, c'est rare que la musique de jeu change. En fait, c'est pour ça que je suis un peu perdu par le truc. Bon, on va manger ça, miam. Ok, hop. Donc voilà, il y avait ce caillou à bouger. Il me faut quelque chose pour le bouger. Objet. Big stick. Je ne peux pas pouvoir le déplacer. Ah oui, il faut se mettre de l'autre côté, comme pour le singe. Alors, tac, tac, tac. Big stick. Waouh. Alors, on a libéré un chemin, je m'en doutais. Bah, on s'est retrouvé sur l'autre bout de l'île. Ouais,
Bah du coup, oh, il y aura forcément moyen pour retrouver. Hein. On va boire un coup. Non, ça me fait pas peur parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à faire sur cette île. Je jure, du coup, il y a des. Peut-être dû au tremblement de. Donc, en fait, on n'a pas quitté l'île. Ah! Bah ben voilà, ce caillou, il n'y était pas, par exemple. Je pourrais aller là en cassant ça. Parce qu'en fait, j'étais. D'accord, mais. On est peut-être sur un autre endroit, on n'est peut-être pas sur l'autre île, mais ça ressemble vachement. Non, non. On est revenu sur l'autre île. Peut-être que. Le fait qu'il y ait eu un tremblement de terre, d'accord. Alors, comment je vais pouvoir bouger ce machin? Putain, des vieux souvenirs, je crois que cet endroit, on pouvait le péter avec un arc. Déjà on va faire cuire la viande. Donc, du coup on va retrouver nos vieilles cabanes. Mais il va forcément y avoir un moyen par le haut pour remonter, je suis sûr. Je me suis pas inquiet parce que je suis sûr que voilà, je m'en doutais qu'il fallait retourner. Qu'on n'allait pas abandonner l'autre île comme ça et qu'on n'avait pas bougé. Ça je vous l'avais dit, je me rappelle. Hop là. Ah déjà. Très souple, plume torche, du roche ordinaire. On va lâcher ça, oui. Faire un arc. J'avais vu une vidéo, je crois qu'on peut le péter avec un arc, ok. Ça, par contre, je m'en souviens. Mais ça fait longtemps que je me suis pas renseigné sur le jeu, donc je suis un peu perdu. Fusion. Voilà, c'était comme ça, un arc. On va fabriquer le bow. Donc on va retourner dans notre maison, hein, notre vieille maison, fait chier. On dirait l'île sur laquelle j'étais avant. Même si c'est vrai, au moins je suis en vie. Je vais bien trouver quelque chose. Ça c'est franchement c'est très par contre très déprimant de retourner sur cette île. Mais attends, on va manger ça, il y a besoin. Mais honnêtement. On va s'en sortir, on sait très bien qu'on va retrouver un chemin, vu que c'est pas loin. Voilà, le truc en fait qui est encourageant, c'est qu'on sait que, même si on revient sur notre point de départ, on sait que, en fait, on est sur une île, on est toujours sur la même île, et que forcément, l'arche n'est pas loin. Donc, voilà, notre meilleur moyen de s'enfuir, c'est d'utiliser cette arche. Et donc, voilà quoi. Donc, on va pas s'inquiéter là-dessus. Ouais, bah, on le mange, allez, crawl. Faudrait que je refasse des torches. Alors je vais voir, du coup j'ai toutes mes affaires que j'avais laissées. Putain, j'avais bien fait de les laisser. Putain, oui, notre cabane. On a retrouvé notre cabane, quoi. Je peux utiliser pour mettre des choses. Objet. Cabane. Attraper du poisson. Si j'avais des flèches. Oui, alors là. Juste un gros rocher. Herbe sèche. Plume d'oiseau intact. Des montres mouillées. Je sais pas, je vais au baseball, machin. C'est tout, il n'y avait pas autre chose. Pas grand chose. Attraper un poisson, j'ai des flèches, gros rocher, herbe sèche, vieux roche ordinaire, plume d'oiseau intact. On va le prendre pour faire une flèche. Machin work radio. Ouais. Bon, non mais il a besoin de dormir là je crois. Sans le dire hein, s'il est fatigué. Du coup, bah, on va refaire un petit tour. Allez, on mange, craon. On n'est jamais peine de bouffe. Wow, c'est quoi ce truc? Je n'ai pas fait de feu par ici. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ah ah, les gens. Ah, suspense. Il se passe peut-être qu'on n'est peut-être pas tout seul. On n'est peut-être pas le seul échoué, bordel de cul. Ah, ça c'est bien. Non, on va pas retourner là. Par contre, j'aimerais bien trouver de quoi une flèche. Parce que je pense, si mes souvenirs sont bons, que la flèche. On le mange. Que la flèche, ça servait à péter le caillou. Donc pour ça, il me faut un stick. Ah bah, là-bas, il y a un stick. J'ai une plume. Et la pointe, je sais, on l'a retrouvée. Ah, il me faut de la lumière pour avancer. J'ai pas de torche. Ah bah, torche, j'en ai une, mais je suis con. Toi j'avais une torche, oh là là, mais que je suis con. Je vais allumer un feu, tac, il fait bon. Objet. Torche. Il y avait, voilà, on va prendre le petit stick ici. Bon, on va abandonner. Non, pas le gros bâton, on aura besoin.
Dans les gros bâtons, en fait, je croyais que c'était un objet unique à la base, mais en fait, on peut retrouver facilement. Peut servir d'épice, allez, on va le manger. Miam, peut épicer. Donc maintenant, on va plus qu'à trouver un caillou pointu que j'avais jeté tout à l'heure, oui, je sais. Mais on va essayer, je suis sûr. Non, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre pour péter le rocher, hein. À part s'il y a un objet pas inventé. Mais si mes souvenirs sont bons, j'avais vu dans l'une des rares vidéos qu'il y a sur ce jeu que on pouvait le péter comme ça, hein. En plus, c'est un fou le mec qui a fait le jeu sur internet, c'est un fou. Un peu comme moi, Romain. Honnêtement, c'est vraiment pas le jeu le plus facile à faire. Mais bon, il est très fun et moi j'aime les challenges, j'aime les défis et on va y arriver, on va s'en sentir bien. En fait, j'ai une torche, ah oui, il fallait que j'en trouve de la sève. Je suis fatigué, bon, on va le faire dormir, on va choper de la bouffe. Allez! Tu as crevé? Ah! Il m'a fait des dégâts, ce salaud! Qu'est-ce que je peux abandonner? Allez. Oh ben non, j'ai assez pour manger, c'est bon. De toute façon, la bouffe, c'est pas... En fait, c'est ce que je me dis, la bouffe, c'est pas le facteur le plus chiant, juste plus la fatigue et les points de vie. Parce que oui, on peut vite crever, hein, ça, je vous l'assure, j'ai déjà crevé en off, c'est très facile de crever. Allez, on continue. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre sur l'île maintenant qu'on a vu ce feu qui a été fait. Donc c'est très bien, ça c'est très bien. Il y a eu quelqu'un de pas con qui sait faire un feu, donc c'est quelqu'un forcément un bon allié. Donc voilà, on a fait un pas pour reculer certes, mais non, vous allez voir, ça va nous servir. Un truc pointu, c'est là-haut de toute façon, ça. Bon, j'ai les crans, comme ça évite de boire. Ah ouais, voilà, c'est nickel. Putain, alors là j'avance crème pour mon retour. Hop, ça fait plaisir. Objet. Ça j'en ai besoin, Bon allez, ça on le jette pour l'instant. Ça, ça va faire de la place, la flèche. Allez. Objet. Fusion. Pointy rock, stick. Ajouter. Un beurre de machin. Donc, si j'avais un arc, on a un arc, donc on avait fabriqué le haro, hein, voilà, retour de l'arc. Donc, hop, objet. Turlututu, chapeau pointu. On l'équipe. Voilà, donc on va tester. Si mes souvenirs sont bons, ça devrait marcher. Si mes souvenirs sont bons. Crao. On n'est pas obligé de tout stocker la bouffe, en fait, ce que je me dis. Ouais, nickel, voilà. Oula, oula, je crois qu'il est venu tomber sur la gueule. Oui, maintenant je peux avancer. Nickel. Du coup, je suis sûr qu'on faut traverser la cascade, il faut le machin. Ok, ok. Eh mais yo, tu vas pas me faire chier. Bon, on verra. Faut pas les péter, ça. Et les flèches, c'est inefficace sur les ennemis. Franchement, je trouve que c'est pourri sur les ennemis. C'est stylé l'effet, mais... C'est pourri sur les ennemis du genre, quoi. Hein. Ça, on se fait tuer facilement. Ok, donc voilà. Alors, il y a deux chemins. Donc, il y a sous la cascade. Oh, il y a un chemin. Ok, il me faut de la lumière pour avancer. Donc, on va explorer ce coin. Torche. Il se passe rien. Bah. Ah oui, il faut que j'allume, putain. Ah, ça c'est chiant, c'est logique, mais c'est chiant. Alors, torche. On va explorer ce lieu. Tout doudou. C'est stressant de pas tout voir. Ça ne va mener nulle part. Cri ! La même. La même cellule ici que là. Peut-être que je pourrais. Que je peux l'utiliser pour passer par là. Je pourrais peut-être attacher une corde. Ah, là, Sarah, il y a une liane à l'entrée, je m'en souviens. Il y avait une liane, si on se souvient bien à l'entrée, il faudra chercher. Explorer le reste. Donc il n'y a rien. C'est bien, hein, on découvre des nouveaux lieux, les gens, ça fait plaisir. Ouais, non, je vais aller sortir.
Merci. Donc, tiens de la torche. Bah oui, forcément. Ok, donc la corde devrait nous servir. Oh là, faut rallumer le truc. Ça, c'est chiant. Allez, machin. Oui, il fait bon. Oui, il fait chaud. Il y a des soleils et des nanas. Oh là, qu'est-ce que je raconte? C'est même pas le bon truc que j'ai dit. Allez, torche. Doudoudoudou. La vieille musique de jeu. Je suis fatigué, tu m'emmerdes. Hein. T'es fatigué, toujours fatigué, mon pauvre garçon. La fin disparaît, plume d'oiseau, arrow, élastique. Putain, j'ai envie quand même d'aller voir ce qu'il y a. Enfin, il va bien me claquer dans les doigts, je sens. Ah, oh, ça va. Il devrait tenir. Bah, après, on ira se coucher. Mais faut que je m'occupe pour résister. Faut que je m'occupe pour résister, quoi. Je peux vraiment utiliser le truc. Kiki, au secours! Ah, il est intelligent ce Kiki. Oui, maintenant je peux avancer. Ça me paraissait logique aussi. J'espère que j'ai de la bouffe contre la fatigue. Là, j'ai vu un truc. Voici de fruits. Ah, bah, c'est ce qu'il me fallait. Je me sens plein d'énergie. Yeah, c'était de la drogue ou je sais pas quoi. Enfin, bref. On se dope. C'est ce qui compte. Bon, d'accord. J'ai eu peur. Objet. Big stick. Ok, oui, maintenant je peux avancer. Oh, une clé. Le palace clé. Ok, ça a l'air bueno ça. Je suis fatigué. Bon, va falloir aller dormir. Mais va te faire foutre, connasse de chauve-souris. Bon, on va manger ça. Ensuite. Oui, il y avait un serpent. Je vais quand même explorer. Fatigue, il en est où, fatigue? Ah, ça va, il devrait tenir. Non, ça va pas, il faut que je fasse un pont pour traverser. Et là, je me souviens que j'avais vu qu'il fallait le gros bâton. Ça, je m'en souviens de ces zones. Moi, je me souviens pas tout. J'avais tout regardé d'une traite un soir, oui. Je me souviens. Wow, on est revenu au départ! Ah, mais c'est un putain de raccourci ici, en fait. Mais c'est génial! C'est génial, c'est génial. Ouais, mais. Et je tombe de sommeil. Bon, on va se coucher, on va se coucher, on va se coucher, on va se coucher, on va se coucher. Et du coup, il y a un lieu qu'on a débloqué. Putain, bon, il va me faire des dégâts, fais chier. Ah oui, mais ta gueule, je... Putain, on va y aller. Je récupère le bâton et compagnie. Putain, on se bat contre la fatigue et je connais plus le chemin. Oh là 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 là, dommage qu'il peut pas faire un lit de camp et dormir par terre. Oh, allons bon. Non! On a trouvé la fille, putain, alors qu'on est mort. Il y a quelqu'un d'allongé là. Ah, oh, trop bien. On va boire sans produire, les gens. Non, je sais que... Putain, ça fait plaisir de trouver un autre PNJ, un autre personnage que le Kiki. Ça va? Je vais ramener cette personne au navire. Ouais, si on crève pas avant. Putain, on va crever. Et nous, on peut pas dormir. Allons en route. Mais j'espère qu'elle va vite se réveiller. Objet, je vais en lui donner de la bouffe. Ça devrait la réveiller. Ça ne marche pas. J'espère pouvoir dormir quelque part. Ah bon, on peut dormir avec elle. Génial, on dort avec une fille inconsciente, tout va bien. Bon, je pense qu'il faut lui choper de la viande. Il faut le ranimer. Oh, c'est une fille, hein, ce truc avec des couettes quand même. Je pense qu'il lui faut de la viande, du coup. Du coup, vous aussi pensez à retourner là-bas à la caverne, parce qu'il y a des zones en haut qu'on n'a pas vu dehors. Un joyau, je suis sûr. Chopons de la bouffe. Et les coquillages, on peut en faire cuire, je crois. Je crois qu'il doit y avoir un coquillage. Même pas, walou, ok. On a une invitée, et voilà. Hein. Et c'est bien, on a un singe, une fille, voilà. Écoutez, c'est toujours mieux qu'être tout seul, hein, surtout la fille, hein, c'est bien. On va passer par en bas. Ah oui, hein, et on va repeupler l'île, hein, comme ça. Hein. Bon, pas avec le singe. Quand même, faut pas déconner. Oh là, super vert. Il faut lui sauver la vie à cette fille, donc... Manger, craon.
On va récupérer de la viande, je pense que ça va être le meilleur truc pour la... La soigner, elle. Allez, y a pas un truc, là? J'ai eu un bâton, là, j'ai dit bon que ça peut... Voilà, bah, le bâton, du coup, il est tout le temps... Donc maintenant, si on perd le bâton, on pourra toujours le récupérer ici. On récupère une clé aussi, on sait vraiment pas à quoi ça sert. Faudra que je la stocke aussi. Ah, mais c'est assez intéressant. Putain, et c'est là qu'il y a pas de bestioles. Putain, c'est abusé, quoi. D'habitude, il y a toujours une bestiole qui va me faire chier. Un petit lapin qui fait... Ah, voilà. Parce que c'est ce truc, c'est un rat. Et toi? Une fouine ou je sais pas quoi. Merci. Ouais, on va donner un truc. Il y a un palais dessiné sur le manche. Ouais, ça on verra plus tard. Bah du coup on va bouffer ça. Tac. On va le faire cuire. Et bon après je vois pas ce qu'il peut. Par contre ça je sais plus ce qu'il faut faire pour la réanimer. Vu que lui le mec quand j'ai vu la vidéo il a fait bien plus tard. J'ai pas vu toutes ses vidéos. Il a fait bien plus tard. Enfin, c'est un mec en anglais. Oh là, en plus des vidéos mais en qualité d'époque. De filmer sur la Game Boy c'était... C'est lisible mais bon. Il y a que ça pour... Putain, je parle et je me perds là. Là, là. Allez, on allume un feu. Hop, je vais faire un feu. Je vais faire cuire de la viande pour le donner à la madame pour qu'elle aille mieux. On le stocke. On le garde pas pour notre gueule. Alors, on va donner notre steak hein, à la madame, à la mademoiselle. C'est comme ça qu'on drague les filles dans ce rendez-vous kid. Hein. On leur donne un bout de viande. Pas le bout de viande que vous pensez évidemment. Hein. Non, mais bande de... Oh non, je crèverai pas à ce moment-là, putain, j'ai vraiment plus de vie. Ce serait bien que je chope les herbes là, qui redonnent de la vie. Ça ferait plaisir, un petit peu. Eh ben, c'est un petit épisode sympa. Honnêtement, on a fait des découvertes. Oula. Bon, on va pas tenter le diable, hein. On va... Après, à part de la viande, je vois pas, et ça un peu me faire paniquer. Peut-être qu'il faudra des herbes, je sais pas. On lui donne de la bouffe, ça me paraît logique, moi. Bah, enfin, on va la réveiller. Je vais lui donner quelque chose à manger. Ok. Alors s'il dit ça, c'est que c'est bon alors. Parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à lui donner. Objet, hop. Sac. Utiliser. Oh, vous êtes réveillé. Bah alors, donnez la viande à une fille, elle se réveille. Logique. Qui êtes-vous? Moi. Vince. Je m'appelle Vince, enchanté, et vous? Qui, moi? Mary. Bon écoutez, là j'ai pas d'idée hein, sur le coup. Hein. Donc, ah, quoique, hein, je peux avoir une idée. Comme c'est court les noms. Je vais faire une dédicace à une amie à moi. Je vais l'appeler. Ben, je vais l'appeler Sam, voilà. Tout simplement. Voilà, ça va me faire marrer. Il y a une amie qui s'appelle Samantha. Je lui fais une grosse dédicace. Donc, gros bisous à toi, hein, encore une fois. Hein, je lui fais une petite dédicace. Hein. Bah là, en prénom, en fille, en si peu de lettres, en plus, il y a plus rare que toi, hein, ma cocotte. Hein, donc, voilà, enfin, dédicace, au cas à part la vidéo, en battez les couilles, c'est comme ça. Et puis ça va me faire marrer, on va survivre, ça va me faire marrer. Je m'appelle Sam, comment allez-vous? Mais, où sommes-nous? À l'intérieur d'un navire. Un navire? Alors on peut rentrer. Il est attaché, il ne va nulle part. Attaché? Oui, il te faut le détacher. Pour ça, il me faut le joyau qui va dans la fente, dit comme ça. Un joyau, j'en ai un. C'est vrai, donne-le-moi. Wow, on a le haut Valgem. Wouah! Le voilà, essayez! Ah! Vous allez bien? Oui, juste un peu la tête qui tourne. Comment? Rassurez-vous, je vais trouver un moyen. Je suis désolé de vous causer du souci. Ok, bon, bah, on va mettre la gemme et on va se quitter là, les gens. On va la poser dans le bateau. Là, ovale. C'est pas là, ouais, ça va être celle-là. Donc, on en a déjà deux. Ah putain, faut aller ouvrir l'inventaire et tout. Oui, je l'ai défait. Hop là. Bon, bah écoutez, on va rester avec la petite fille. Hein, voilà, donc du coup, on a un beau bateau, on a un kiki, on a une petite fille avec nous. Voilà, on n'est pas tout seul, ça fait plaisir sur cette île. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous venez d'arriver. Vos commentaires, tout ça, patati patata. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.